bien, hein. Il veut nous buter. Hein. Ça commence comme ça, les films d'horreur. Ok, les gars. Nouvelle vidéo. On va à la ferme. Attends, à la ferme. En France. En Europe. En Europe, plus précisément à Dijon, là où il y a vos moutardes préférées. Ouais, et aussi les rixes qu'il y avait eu dans les banlieues là. Mais c'était à Dijon il y a pas longtemps. Non, moi la seule question que je me pose c'est. C'est quoi c'est En fait, je sais pas c'est quoi. C'est quoi ton prono de la matière du truc? Après que j'ai juste envie de lécher. Ça donne envie de lécher, on dirait des marshmallows colorés. On dirait dans un paquet d'Haribo. Putain mais pas c'est... C'est juste du papier. Bah oui, et dedans il y a des bails. En sarcie un cadavre, là, dans le cinquième au milieu là, qui va le trouver un jour? Je crois que t'as dit un truc réel de fou là. Pour moi c'est le meilleur endroit pour commettre un meurtre. Ouais. Et là le fermier, bon il est pas là. Le fermier, il éteint quelqu'un, personne ne saura jamais. Il le met dans la forêt au fond. Frérot, il éteint quelqu'un, il va à 20 km d'ici, il vient, il le ramène ici, il le met dans la forêt au fond, qui saura? T'as vu la vidéo de l'homme et du cheval ou pas? Non. Non. Après. Vas-y frère. Non, tant mieux, tant mieux. Putain, tu tapes quoi sur internet? Comment tu connais? C'est passé, Twitter, tu connais. Ouais, j'ai vu sur Twitter. Malveillant. Là, apparemment, il y a la vidéo de l'homme et de la grenouille. Non, de la femme et de la grenouille, mais je l'ai pas vu. Frérot, ce qui est marrant, c'est que ces histoires, t'as l'impression que c'est des fables de La Fontaine. La famille, voilà, ça a rien à voir. L'homme et le cheval, la femme et la grenouille. Les meufs, ça a rien à voir, t'as plus pas ça sur internet. C'est pas des poèmes. Ça a rien à voir. C'est vous les stagiaires? Oh, alors, bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Ça va, vous allez bien? Alors, ça c'est va. Notre tenue? Bah, ça me fait un peu mal. Ah, j'ai capté là, cette. J'ai mon père, blanche. Bah, après, t'auras un modèle original, faut aussi dire. Non. Blanc mouchetite de. Mais je rentre là-dedans? Attends, quoi, c'est une tenue? Mais je rentre pas là-dedans. Hein. Bah, t'es un peu grand, mais si tu rentres. Mais jamais de la vie, je rentre là-dedans. Si. Peut-être que les autres, mais. Merci. Après. Vous à la ferme, oui. Plus vous changez comme ça dehors ou vous changez direct à la terre? le mec il prend pas. Non, est-ce que vous avez un endroit pour vous changer? Mais tu la remets par-dessus tes fringues de toute façon. Ah, je mets au-dessus? Bah oui. Ah, je pensais que j'allais me mettre tout nu là. Tout nu en dessous, non. Non, tu verras. Ah, ok, d'accord. Faut que je mette mon yep dedans. C'est la deux fermetures éclair, regarde. Ah, oui. Ah, ouais, d'accord. Ok. Faut être grave intelligent pour mettre ça. En vrai, protéger le dos, c'est bien déjà. Il fait froid de malade mental. Celle-là est plus grande en fait. Vite, t'auras du mal à la fermer. Non, moi je pense que je vais rester comme ça, non? Tu veux? Eh ben, c'est comme tu veux. Ouais, je. C'est surtout pour protéger la doudoune quoi. Le jean, on s'en fout. Mais... Ah, ça va vraiment m'éclabousser dessus? Ah, ben ouais, quand elle chie, ça éclabousse un peu, ouais. Donc si tu te trouves avec moi en train de traire... Quand elle chie? Oui, elle chie, ouais. Ah ouais, d'accord. Et ah oui, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, quand j'ai vu les doudounes un peu claires... Ça me dérange pas d'être plein de merde, mais après je prends le train. Mais voilà, c'est ça l'idée. Mais pourquoi tu commences pas par les jambes? Mais frérot, t'as gardé ta doudoune? Ouais. Mais il a gardé sa doudoune? Oui, c'était l'idée. Mais tu vas arriver à faire mettre la doudoune en dessous ou quoi? Bah, je sais pas comment faire ici. Les chiens, faut pas leur donner trop de force, ils me prennent la confiance. Regarde, là j'ai redonné la soirée, ils me prennent la confiance de fou. Oh.
Là, je leur donne de la force pour la confiance. Et là, après la Suisse, faut être stoïque. T'es stoïque, il calcule plus. C'est bon, les paris, on peut y aller là ou pas? Oui, je pense, moi je suis prêt en tout cas. Là, c'est parti. Je suis armé, vous nous trouvez bien armé? Bien équipé? Plutôt bien équipé, ouais. Ok, bah super. Bah, en tout cas, merci Sam. Merci Sam pour. Vous nous avez bien dépanné parce que nous ne pouvons vraiment pas adapter. Oui, on va pousser les vaches, on va attaquer la traite. Allons, on y va. Au boulot! On va devenir des fermiers. Oh! Ok. Ok. On va aller les chercher toutes pour les enfermer dans ces parties-là avant la traite. Ok. Et pourquoi on doit les enfermer? Bah, pour pas courir après, on les enferme toutes là et comme ça, elles sont obligées de repasser par la salle de traite avant de sortir. Ok. Ça, c'est des vrais chiens de compète. Hein. Hey, ça, c'est, là, comme, c'est comme si tu prenais, tu t'achètes une voiture, t'achètes un Q8. T'achètes un Q8 ou un GLE. Les chiens, c'est la même, c'est des chiens bien méchants. C'est des chiens de méchants, ça. Faut prendre, c'est la même chose. C'est... Non, tu trouves la plus grosse vache. Elle est derrière. Elle a dégradé. Je suis chaud. Et pourquoi il y a des vaches, elles ont des cornes et d'autres non? Vendu, hein. Non, je lui parle pas, lui. Allez, en avant. Et tout ça, c'est du caca? Ouais. Ok, ok. On est en train de marcher dans du caca, là, c'est... Ok, pierre feuille ciseaux. Celui non, qui perd, non. Il doit goûter avec son mode. Qu'est-ce qu'il a dit, ça m'a donné envie de gerber. Je me suis imaginé dans ma tête. Non, je peux pas faire ça, frère. T'es malade, tu vas pas perdre. Au calme, c'est moi. Vous avez déjà goûté? Non. Comment j'ai pu lui demander ça? Dans des situations. Non, c'est vrai qu'il y a une situation un peu longue. Je pense que vous êtes sûr, monsieur. Tiens, venez avec moi, y'en a une. Vous aussi, monsieur. C'est pas bon. Wesh! Attendez! Ah! Il passe quoi? Attendez! Ah, il l'aide parce qu'il arrive plus à marcher. C'est ça. C'est, il est en train de le porter parce qu'il arrive plus à marcher. Sais, voilà. Ouais, c'est ça. Comme dans Intouchable. C'est ça. Putain, mais. Ouais, bah vous y aurez assisté en live au moins. Et là, il a déjà fini là. Ouais, c'est. Ouais, rapide. Wow. Wesh, il est précoce. Là, il y a l'onde préliminaire, mais l'action elle-même, elle dure pas très longtemps. Ah la vache. Ah, il est éteint! Lui, c'est un taureau, donc il est forcément un peu plus musclé, tu vois. Ah, c'est un taureau! Ah, c'est un taureau? Ah, bah oui! Ah, oui! Bah ah, oui! Il va falloir qu'on repose les bases. Ah, oui, non, mais c'est vrai! Allez, on y va! Mais vous savez ce que je trouve fou? C'est que les vaches, elles sont comme les humains. C'est-à-dire, allez, on va. Au niveau des cheveux. Il y en a qui ont les cheveux frisés, il y en a qui ont les cheveux lisses. Mais comment c'est ce bourgeois? Bah, parce que c'est la diversité des. Mais c'est fou, frère! Allez, on y va! Allez, bouge, vieille! Hortense, allez! Toi, t'es comment là au niveau de la merde, ça va? Non, nickel, moi! Allez, même moi, même! Même moi! Allez! Allez! Allez, avance! Allez, avance! Wesh, il a les quadriceps, ça Idriss! Non, j'ai peur qu'elle mette un coup de tête! Ah, il pue du cul! Non! Elle a fait trop sa rebelle là! Allez! Elle s'appelle comment? Y'a un blaze ou y'a pas de blaze? Elle s'appelle Hortense, allez! Hortense, je suis un peu déçu, je peux vous dire la vérité, je suis un peu déçu. Allez! Allez, avance! Là, elle redescend, là, tu vois. Avance! Oh, allez. Les couilles! Ah non, c'est pas des couilles, ça. Allez! Avance! Allez, on avance! Wow, c'est quoi ça? Allez, on y va! Bon. C'est des couilles, t'as dit? Non, c'est pas des couilles. On y va! C'est des mamelles. Et vous êtes capable de dire, comme ça, de tête, individuellement, laquelle a du lait, laquelle a pas du lait? Bah ouais! Beaucoup, comment on fait? Je les vois tous les jours. Il dit ça parce qu'à la caméra, il dit qu'il connaît le nom de chaque vache. Ok, c'est la droite, elle s'appelle comment? Ah non, c'est un taureau. Non, c'est qu'il n'y a qu'un taureau qui était encore en train de se couper là-bas. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Online. Online?
Genre comme un jeu online. Ah non, j'aime trop les noms originaux comme ça. Dites-moi un autre nom original que vous avez donné, s'il vous plaît. J'aime bien les noms d'actrices... D'actrices américaines. Ok, c'est quoi le nom? Les noms, tu vois, Tracy, Sandy, les noms qui vont Des States. Ouais, dis-moi des noms qui vont bien. Tracy, Sandy, Là, c'est Minimoys. Minimoys. Allez, les gars. Il s'appelle Minimoys. Allez. Monsieur, on doit venir. Tu sais que je trouve qu'il est grave mystérieux. Genre, tu sais, il a du charisme, il avance. Il fait son queutru, sa petite boucle d'oreille. Ouais. Moi, j'aime trop, tu sais. Là, vous allez vous faire chier dessus. Comment ça? Non, s'il te plaît. Ah, si. Mais non. Tu vas voir si tu vas pas être à Dubaï. Mais c'est beau. C'est mon seul bonnet. Je dois aller au parc avec après. Non, mais je vais faire comment? Ah oui. Je quitte le train, je vais direct au parc. J'ai rien. Wesh. Pierre Feuille saison 1, celui qui gagne, il doit quitter la vidéo. 1, 2, 3, Pierre Feuille saison. 1, 2, 3, Pierre Feuille saison. Non, tu fais. Yes, trop... je te jure, j'ai pas en retard. Tu fais trop. J'ai pas en retard. Je te jure, voilà. Je vais me faire chier dessus, mais pas sur le visage quand même. Pourquoi il l'a jamais dépoussiéré en haut là? C'est beau, voilà ce voilà film, j'en sais, il y a du quelqu'un qui va sortir de quelque part. Mais frérot, j'ai l'impression d'être dans un jeu horreur. Cours, faut que courir. Attends, mais wesh. Là, regarde, son caca, il a des doigts de sortir. Là. Non, le bruit, il est inquiétant quand même. Inquiétant, non. Il est reposant. Ok, petit tube, ok. Ok, ça va faire quoi avec le tube? C'est le premier client? Ok. Allez, va vite. Avance. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Harmonie. Harmonie. Allez. Allez, on le sait. Harmonie, toi-même, tu sais. Allez. Là, tu vois, je nettoie. Parce que les vaches, elles sont dehors. Et puis, bon, une vache, ça fait pas attention où ça se couche. Donc, tu vois, elles marchent dans la terre. Elles peuvent se coucher dans leur route. Donc on nettoie bien les crayons. Ça c'est une mamelle. C'est pas une poule. Et ça c'est une mamelle avec 4 crayons. Et il y en a qui en ont 6. Il y en a qui peuvent en avoir plus, mais comme les machines elles sont équipées pour en faire 4, quand il y en a en plus on ne traite pas. C'est soit 4, soit 6. Non, les vaches c'est toujours à peu près 4. Des fois elles ont des crayons supplémentaires, mais du coup il n'y a pas forcément du lait dedans. C'est comme les abdos. C'est ça. Et une vache qui ne fait pas de lait, est-ce que vous lui parlez de Non, ça dépend si elle aime ou pas, mais... Et pourquoi il y a des taureaux qui n'ont pas de cornes? Eh bien parce que tu as des races qui sont faites sans cornes. C'est grave de savoir ça que maintenant dans ma vie ou pas? Non, mais c'est voulu maintenant que trop tard ou plus tard. Ouais, c'est vrai. C'est grave. J'ai l'impression que je connaissais rien sur les vaches. On dirait un gros téton, non? Ouais, un téton, ouais. C'est ça qu'on dirait. Ouais. Et si vous nettoyez pas, il se passe quoi? Bah, c'est dégueulasse. C'est pas propre, quoi. On nettoie pour pas avoir... On a des analyses, si tu veux. Quand ils viennent ramasser de l'air, on a des analyses, donc... Attendez, là, on va le faire à la main, là. C'est-à-dire? On va l'enlever le lait à la main. Non. Non? Après, tu peux l'enlever à la main, hein. Wesh! Ok, moi, je veux le faire. Comme un gant, imagine un gant mappa percé où? Ouais, comme un gant. Comme un gant, voilà, vas-y. À deux doigts. Un gant. Elle a réagi? Bien sûr qu'elle réagit. Elle a kiffé ou quoi? Elle a kiffé. Hein. Non mais là c'est du gaspillage ce que je fais. C'est vrai. Mais je le faisais bien. Avant quand il n'y avait pas de machine pour faire, on taillait tout à la main. Et bah fallait mieux pas y passer trop de temps. Ouais mais vous en sortez plus, ça va accueillir. Regardez grave, je vous vois. Vas-y Billy.
Non, moi je, non, si, vas-y. Je regarde pour l'instant. Non, vas-y, je veux bien te voir faire, moi. Non, moi je regarde pour l'instant. Je sais pas, Nabis. Je sais pas, Nabis. Vous dites, tu fais connaissance avec, là, d'abord. Je t'ai dit, je peux pas toucher ça directement. C'est un gentleman, il faut... Ouais. Il y va doucement, tout ça, il m'a à l'aise. T'es un bon, t'es un bon. T'es un bon. Toi, tu respectes son consentement, c'est bien. Ouais. En fait, je suis déçu, j'ai l'impression que je le fais mal. En fait, je vous dis la vérité, j'ai envie de vous éteindre avec depuis tout à l'heure. Il est devenu à l'aise, là, Billy. Tiens, regarde. Wow. Frérot, c'est Docteur Octopus. Oh, la pute, ouais, tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais le dire. Mais en fait, vous êtes plus qu'un fermier, je trouve. Ok, vous êtes un peu un scientifique, un peu. Bah... ouais, quand on est agriculteur, on a un peu plein de métiers à la fois. Bah oui. Mais vous êtes tout le temps tout seul, comme ça? Moi, je vais vous aider, monsieur. Ouais. On va pas me chier dessus, là. Ouais. Oh, ça se met direct. Ok, c'est bon, c'est bon. Bah, ça j'ai capté, ouais. C'est bon, regardez. Faites-moi confiance. Par contre, il faut pas que... Ah, fonctionne pas là? Il faut pas que ça traîne dans la merde. Ah, bon. Ok, c'est bon. Oh, c'est couvert d'un truc de tout. Oh. Audace, un plagieur. Audace, un plagieur? Ouais. Mais il va où? Le lait qui va dans le truc, c'est le plus dérangeant. C'est Joy Boy. La musique au début. Ouais. Quand il y a l'éléphant là. Ouais. J'entends plus des tambours, c'est ça, il était à la ferme au Japon, il a entendu ça et il s'est dit faut que je fasse ça pour le film. Frérot, placement de produits dissimulés d'Oda, dans le Gear 5 ouais. Pour les produits laitiers. Ouais, exact. Ouais. En plus, la fille, un épisode, il se casse une dent et il boit du lait avec vous. Un flux voleur. La fille, c'est un flux voleur. Je pense qu'Oda, il travaille avec Magali Berda. Tu fais quoi là? J'ai une ferme pas loin, je suis juste venu éteindre cette ferme. À un moment donné, ça va chier. Ça. Ah ouais. Arrête de dire ça, frère. Mais c'est obligé. Mais pourquoi ça va chier? Mais elles vont chier à un moment donné. Ah, à un moment donné, tellement il va bien taper, ça va chier, quoi. Ouais, ouais, si tu veux. Ouais. Tu te sens comment, Billy, là? Moi, ça va, mais juste pourquoi ça va chier au bout d'un moment? Mais non, ça va chier dans le sens, ça va barder. Ah ouais. Ça va chier, là, les gars. Okay. En gros, je vous explique comment on fait. Ça, faut pas que ça touche le sol. C'est censé être propre. Faut pas que ça baigne dans du caca. C'est simple. Les gens, ils ont envie de boire du lait, pas du chocolat au lait. 4 pis. 1, 2, 3, 4. 4 pis. Mets-toi dans l'autre sens. Tu vois, sur ton tuyau ici. Dans le sens du tuyau bleu. Frérot, tu vas la plug. Ok, voilà. Je vais la brancher là. Je vais descendre de ma tête. J'ai juré, j'ai reçu un peu de merde sur la tête. On se course avec eux. Ah bah j'ai du caca dans la main. Ah ouais? Ouais. C'est normal, t'as du caca dessus. Peut-être que le caca. Il est en panique de chaque coup. Faut que t'appuies en dessous, sinon t'as pas d'aspiration. Ah oui. Mais les vaches, elles sont où le soir? Bah elles dorment. Non. Là? Non mais non, toi aussi. Dans les douchettes. Quand t'es fermé, après t'as plus peur de rien. Et ça y est, t'as baigné dans du caca, t'as peur de quoi après? Non mais c'est réel. T'es là, tu peux tout faire après. Après le caca, y'a quoi de plus dégueulasse? Y'a ça. T'as un truc plus dégueulasse que le caca? Le vomi. Je préfère le vomi au caca. Là, je préfère le toucher du caca, du vomi que du caca, mais je préfère voir quelqu'un chier que quelqu'un vomir.
Regarde, quand vous avez du caca dans les mains, qu'est-ce que vous faites? Vous essuyez sur le tech le plus proche. Viens. Allez, viens. Fais pas ta timide. Fais pas ta mijaurée. Allez, viens. 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 Allez, on avance. Viens. Come here. Come over here. Sa pie elle est bronzée, c'est parce que la vache elle est noire. En fait, c'est les... Ah ouais, parce que j'étais en train de me dire, elle veut pas partir la saleté. Mais là, ce que je dis, c'est raciste envers la vache. Wesh, c'était raciste. Non mais là j'ai été raciste envers la vache, c'est grave là ce que je viens de dire. C'est grave, hein. Bah, t'as dit quoi? Parce que je pensais qu'elle était toujours sale sa pie. Mais en fait, elle est juste bronzée sa pie. C'est grave raciste. Alors, là, ce que je viens de dire. Même, elle est quand même encore un peu sale. Ah là vous êtes raciste, hein. Je vous le dis parce qu'elle était propre. Hein. Ah, oh là le fermier raciste. Oh le fermier raciste. Ça me le raciste. Et tu fais ça bien là? Non mais il y a des vaches vraiment ingrates, elles nous aident pas à mettre les pattes devant l'eau de l'air. Franchement, faut leur dire. Bah, elle se dit qu'elle a pas forcément raison de te simplifier la vie, quoi. Bah ouais, mais c'est pas... En fait, si tu veux, tu peux l'aider, hein. Ok, je vais mettre cette machine. Elle est dedans. Bon là on enchaîne. Allez, voilà. Fais ça bien là. Ça y est. En fait faut pas avoir peur d'y aller. Oui oui bah ouais. Faut pas être mou. Faut y aller pour de vrai. Il faut frotter. Voilà, faut frotter pour de vrai. Wesh. C'est un stalactite. Wesh, il est gigantesque. C'est ouf. Eh là ça va, c'est bien nettoyé ou je... Eh ben je sais pas, faut regarder. En vrai ça va, non? J'ai vraiment bien frotté. Hein. Et là aussi là-bas, j'ai vraiment bien insisté. Il y en a d'autres encore? Il y en a d'autres qui vont arriver. Ouais, après, on enchaîne. Je vais faire un speedrun fermier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais les appeler, mais il m'a dit que tu vas être donc tu vas doubler un monstre? Oh, la monstre! Non, regarde, je vais te montrer comment on peut leur parler. Tu veux leur parler? Vas-y. Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais, regarde-moi bien dans les yeux, ouais. Elles avancent pas là. Non, mais elles me regardent dans les yeux. Ah, faut les faire rentrer. Ok. Allez. Elle recule là. Allez, c'est nul d'avoir la première place parce qu'à la fin, quand tu ressors, t'es dernier. Je pense qu'elles sont comme le jeu quand tu rentres en couple, celui qui s'assoit, c'est le lobster. Elles veulent pas s'asseoir en premier. Ah ouais, ça fait de toi que les profs en France, ils souffrent. Tu vois, il y a des profs, ils font leur métier, 6 années d'études, ils passent un concours, ils gagnent 1 500 € par mois, ils font 35 heures par semaine, ils rentrent chez eux, ils tapent encore parce qu'ils corrigent les devoirs, et il y a des mecs comme toi, ah, tu sais ce qui s'assoit pas, c'est le lobsa, t'as pas honte, tu casses une nationale, t'es en train de le foutre en ruine, toi. Il y a des profs qui souffrent. On avance. Allez, on y va. Oh, doucement. Ne te mets pas devant. C'est quoi ça, là? Si tu te mets devant, elle avancera pas. Ah, c'est bon? Ah, c'est quoi? La géométrie. Non mais c'est grave, y a... Comment tu fais de la géométrie avec des vaches? Non mais plus sa grand-mère là. Il est dans le mal. Moi je suis pas à l'aise ici, hein. T'aimes pas l'odeur de caca? Moi j'étais dans le mal au début. Mais après je me suis habitué. Au début j'ai cru que j'allais gerber. Mais là c'est bon. Moi en fait il me faut un temps d'adaptation, je suis un slow learner. Tu mets dans le chien, tu galères. Après c'est... Wesh, pourquoi elle a un trou de balle comme ça là? Tu juges le trou de balle des gens? Non mais il est pas comme un autre. Tu sais qu'il faut jamais se mettre derrière un cheval. Oui. J'ai l'impression que les vaches c'est un peu pareil. Non, c'est moins musclé de fou. Non, pas par rapport à ça, elle va te chier dessus. Ah frérot. Le trou de balle il est juste là.
Mets-toi un peu à côté de son trou de balle. Pourquoi on ne crée pas un produit sur les vaches pour pas qu'elles aient de mouches? 3, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes, il y a des wow. Wesh. Wesh. En fait, moi, ma strat, c'est de rester à l'endroit du crime pour m'imprégner. Comme ça, la deuxième fois que ça se passe, je suis invincible. Si tu fuis, tu auras toujours peur de ce truc. Là, je reste dans l'environnement du pipi, je m'imprègne du pipi là. Mais le pipi est plus fort que le caca, je trouve. Frérot, son pipi, on dirait de la Heineken bien chaude. Et une odeur d'Heineken bien chaude. Eh mais dire, non, j'ai déjà vu des deux en Inde, ils se mettent, ils boivent ça comme. Mais toi, ah, t'es beaucoup sur l'Inde, hein. Ouais, que bah, c'est... T'as beaucoup d'exemples, le caca en Inde. T'as quoi avec l'Inde, sale raciste, bah. Ouais, tu ouais. Tu sais quoi? Ouais, moi j'aurais dû être dans l'époque d'avant, j'aurais été un guerrier machin. Frérot, t'aurais été un guerrier, t'as peur d'une pie d'une vache. Sûr, quel guerrier t'aurais été? Il regarde l'odeur de la merde. J'aurais été à l'époque des samouraïs, à l'époque des hommes à la scène, la fermier, les hommes des cavernes, machin. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tout à l'heure là, il est en pétition. T'es mal, t'es pas bien, frérot. T'es pas. Moi je suis au sommet du règne animal. Tu me ramènes un animal, je te permets de m'attendre. Ah, n'importe quoi, je te tue. Ramène-moi un ours, je te tue. Non, mais quand j'ai l'époque d'avant. Ah, il y a 5 ans. Je parle de l'époque de Jules César. Frérot, l'époque de Jules César. Ça se coupait le bras, ça avalait du sang, je l'ai mis, ça faisait des trucs de fou. Toi, t'as un petit hématome, poteau, on n'entend plus parler de toi. Non, mais moi, j'aurais été un penseur, moi. Mais ouais, t'as pas pensé à ça? Ouais, je captais pas, mais les penseurs, c'est genre. Ils se mettaient des fleurs dans le cul et tout. C'est eux, ils ont des statues avec des fleurs dans le cul. Moi, je préfère être dans les manuels d'histoire qu'avoir une statue de moi tout nu dans un musée de merde, je sais pas où là. Ouais, du coup, maintenant, on a fini de traire. Ok. On va aller préparer le petit déj des vaches. Le petit déj chez les céréales. Ouais, c'est ça, comme toi. Comme lui. Tu manges pas de céréales? Si. Moi, ça date, j'en ai pas mangé. Bah, tu peux goûter. C'est mieux de goûter ça que du caca de vache. Le restant, le trèfle et le foin, est déjà dans la machine rouge. Okay. Qui mélange et qui distribue aux vaches après. Ah, en fait, vous leur faites un smoothie? C'est ça. Okay. Un smoothie un peu compact. Un muesli plutôt, ouais. Un muesli? Ouais. Elles sont des pelles. Je me suis cogné, j'ai tellement une bosse, j'ai tellement mal. Ça se voit ou pas? On remplit tout? Tu mets 20 pelles bien chargées, si tu les remplis pas, t'en mets 24. Oui. 14. Ouais. Allez, 16, dépêche-toi ta grand-mère. T'as fini là de manger le blé? Par là qui? Au chien. Eh, hey, dépêche-toi, sinon je te frappe. Et je veux qu'à la dernière pelle, tu dises travail terminé. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. c'est une boîte automatique, tu penses? Ouais. C'est bon, tu sais conduire une manuelle, là? T'as fait le GP, gros. T'as fait le GP, manuelle? Ah, c'est vrai, je fais le GP, ouais, je sais conduire, ouais. L'hiver va être sombre. L'hiver va être sombre. Ça va pas être évident, je sais pas si on va passer cet hiver. On va essayer de se renouveler ou... Peut-être que je vais arrêter la ferme, c'est peut-être fini pour moi ce business. C'est pas évident, t'es là, tu cravages depuis 6h du matin, t'as rien à te mettre sous la dent, tu nourris à peine tes gosses, tu peux même pas partir en vacances. On va faire comme tout le monde, hein. On va prendre le métro, on va aller bosser sur Paris. Mais bon, avec les punaises de lit, je pense que c'est pas évident. Hein. Ok, je vais aller foutre là-bas. Je vais être malheureux et puis écoute, au bout de 15 ans, on sera sur le canapé devant la télé avec ma grognasse et on se fera chier, mais au moins mes enfants, ils auront une belle vie. Voilà, on va vivre malheureux, mais au moins on aura nourri la famille. Et si tu veux que je te dise? On va laisser tomber tout ça, il n'y a plus rien à becter ici. Oh. Phoebe. Assis. Phoebe. Assis. Assis. Y'en a pas.
elle a 10 ans, donc ça va, elle sait faire. L'autre aussi, je peux vous le faire. La patte aussi. Je suis au sommet du règne animal, je peux contrôler tous les animaux. Ouais. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de la nature, j'y vais. Je rentre dedans, s'il faut aller dans du caca, je vais dans du caca. Si j'ai dans les animaux, je rentre dans les animaux. S'il faut se confronter à la nature, j'y vais. J'ai peur de rien. Je suis un sauvage. Si vous avez besoin de moi pour quelque chose, appelez-moi. Pas de problème. S'il y a un truc qui vient vous attaquer, un sanglier, je vais l'affronter. Je peux vous aider. Je ferai une petite facture, mais... Vous êtes en SASU? Il a dit faut prendre des fourches et m'aider. Ah, tu le fais bien là. Je le mets où le saut? Tu vas arrêter de gueuler. En vrai, je vois, il prend un peu de plaisir quand même. Ah bah j'espère, hein. Non, mais je vous jure que je le fais du tout. J'ai pas de doute à ce sujet, hein. Bah attendez, mais je le mets dans le trou, là? Non, tu le mets dans ta petite toile, une petite... Ah, faut que je monte? Ouais. Ok. Une petite escalade, et puis... Là, elle a vu qu'elle est chaud, donc évite les coups de tête. Ah, on dirait mon chat quand je ramène le sachet de croquettes de qualité. C'est exactement ça. Et il est là, il s'excite de partout, comme ça. Hein? C'est ça. Hop, 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 hop. Ok. Tu vas me laisser te servir, par contre. Voilà. Venez manger! Allez, on va enlever les ficelles puis on va leur faire la litière. Ok. Venez. Hop. Ouais, t'as peur ou quoi? Oh bah le. Oh bah je suis grimpe, c'est bien! Tiens, il est constipé quand il grimpe. Les plaques, en fait, faut casser les plaques. Ouais, tu les. Moi, tu les répartis. Non mais faut m'expliquer. Non mais regardez, mais dites-moi monsieur Sam s'il te plaît. Mais on est d'accord, comment c'est possible d'avoir un corps de guerrier grec et travailler comme une petite princesse comme ça? C'est honteux, frère. T'es loin et... Il y a aucune technique en fait. Un peu comme toi tout à l'heure avec la paire. Comment ça? Non, j'ai enchaîné là, c'est de l'ingratitude ce que vous faites. Ouais, c'était gratos. C'était gratos. Gratos. D'un coup de pelle d'un coup, je vous les ai fait d'un coup sans rechigner. Sans rechigner en plus. Oh, bah oui, sans rechigner, je les ai fait. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, hein. Ce que tu penses, Sam. T'as le droit de dire ce que tu penses. C'est pas Messi, quoi. Donne la patte. Donne la patte. Vas-y, Billy. Ah, si, donne la patte. Donne la patte. Ah, c'est celui qui veut pas donner la patte, lui. Donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Je t'échappe. Wesh. Il a fait me tuer, là. Non. J'ai des petites sorties ici. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme. Il avait un drôle de corps, mais il savait pas l'utiliser. Chante-moi, petit génie, dis-moi le S à bout de Ben. Let's go! Amine! Amine! Quoi? Je pense que c'est le meilleur véhicule, le tracteur. Hein. Là, prends-le avec toi. Tu fais quoi? Ok, je garde Guardiola.
le renverse sur la gueule. Non mais là, tu vas pas me faire croire, Sam, que t'as pas planqué un cadavre là-dedans, hein, là-bas, là. Dans la forêt, là-bas. Hein. Un mec, il a dû te faire chier. Un mauvais facteur. Ouais, tu reçois des colis Amazon, ici ? Je vais disparaître, je vais m'enfoncer dans les backrooms. Putain, mais il est où, Biggie ? Celui qui perd, il doit rentrer dans le trou là, celui-là. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Allez, rentre. Allez, rentre maintenant dans le trou. Que ça là, insère-moi ça là. Mais c'est trop lourd, frère. On fait comment? Faut descendre. Frérot, rentre la tête la première, je m'en bats. Eh, arrive juste à bouger un peu lui. Mais c'est impossible, gros. C'est impossible de bouger ça, c'est tellement lourd. Eh, ça pèse combien un truc comme ça? Une tonne? Ça, c'est une tonne. Oh putain, pourquoi t'as mis ta chaussure là? Pourquoi t'as mis ta main là, toi? Ok, tu t'enfonçais dans les backrooms. Il faut que tu plonges direct. Wesh. Oh, j'ai fait tomber, il y a un trou ici aussi. Ça fait mal de fou, je te jure. Ça, je non, obligé. Okay. Moi, je l'aurais fait. Moi, on c'était doit, ça. On doit en refaire à pierre, feuille, ciseaux. Ok, vas-y. Allez, 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ok. Okay. Attends, je me décale derrière toi. Les gars, je m'en vais dans les backrooms. Hasta allez, la pista, baby. Bon voyage. Je vais disparaître, les refs. C'était nul à chier. Voilà, je suis coincé. Les gars, c'est pas ça, je suis coincé. Vas-y, moi, je vais descendre pour toi. Non, aide-moi, Tim. Non, mais il est bien comme ça. Ça pue, caca. Allez, Amine, à bientôt. Il était déjà prêt à aller chercher l'hélico et tout pour que... Non, pas besoin, je suis acrobate. Tout va bien, vraiment. C'est un métier où il faut savoir être souple. La force, c'est bien, mais il faut savoir être souple. Non, mais la bosse que tu t'es faite quand tu t'es cogné, ça a abusé. Hein. C'est vrai, la bosse que t'as là? Non, il s'est fait une bosse, il s'est cogné, la bosse, c'est le front là. Hardcore. Ouais. Ah, c'est là, là. Oui. Je sais pas si on voit bien. En fait, là où je suis dégoûté, c'est que le sang... Ah, ton front, il pue. Ah. C'est que le sang... Ah, il y a une odeur de ouf de son front. C'est que le sang, il part dans ma bosse, et du coup, ça m'enlève du sang dans les cheveux, et il y a des cheveux qui sont en train de mourir à cause de... Non, mais t'as perdu des greffons, là, avec la bosse. On retourne la terre et des fois ça ressort des cailloux. Et quand on passe avec le semoir pour semer le blé, eh ben, les cailloux ils risquent d'abîmer le semoir, donc les plus gros faut qu'on les enlève. Et si dans la famille, le frère il veut revendre la ferme mais pas l'autre frère, c'est comment? Eh ben là si tu veux, la ferme c'était mes grands-parents avant. Ouais. Et moi j'ai racheté.
Donc c'est pas mon frère, c'est moi qui ai construit le hangar là, et mon frère il a entre guillemets pas de part dans la... Il a des parts dans les terres qui appartenaient au grand-père parce que ça c'est du patrimoine, mais la ferme en elle-même... Ah, ça va acheter ça légalement comme si vous achetez ça à quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Qu'on a mis là, on va le mettre là comme on avait mis les autres. Ah, du coup, vous allez faire un sol droit. Bah, pour essayer de refaire un sol droit, je vois que ce soit au même niveau que l'ailleurs. Ah oui. C'est bon là, frérot, je t'ai dit tout terrain. Tu veux pas m'écouter, tu me mets dans un environnement, je m'adapte. Frérot, tu veux que je dise un truc honnête? Quoi? Et à un moment, je me suis dit, hey, c'est trop chier dessus. Quand t'avais mis ta roue là, un peu en angle. Ah, je fais exprès. Frérot, et j'ai capté que c'était une maîtrise. Mais oui, frérot. Bon, je les ai grave bien mis là. Tu les as grave bien mis? C'est vrai que je les ai grave bien mis. Et frérot, vraiment, tu l'as one shot. Et même à la fin, j'ai capté, t'as secoué un peu pour enlever des pierres. Après, ça se trouve, là, il a juste recouvert un corps, et du coup, maintenant, t'es complice, mais... Mais ce que tu sais, Amine, là, avec les pierres, il a recouvert un corps. T'as dit quoi? J'ai un lit. C'est quoi ça, la manse? T'as choisi? Ouais, ah bah oui, il y a beaucoup de sangliers. Et on a déjà eu un qui a débarqué à la ferme. Ah bah oui, hein. Oh. Parce que l'hiver, quand il y a moins à manger dans les forêts, ils viennent essayer de piquer. Et vous avez un fusil au cas où? Ah ouais, là, c'est incroyable. Oh, incroyable, tu vois pas que vous avez eu un cas, vous avez dû vous défendre. Merci. Eh bah du coup... Mais là, il y a un arbre. Oh. Ouais. Ce coin-là, on va soulever et puis on va le décaler sur le côté. Cher à quoi, moi? Non, cher. Regarde, il y a un os du cadavre par terre. Wow. Là, ça va, moi je m'approche pas. Ami, tu peux voir d'encore plus. Zahak. Eh oh. Ça c'est le vrai air, ça, c'est le vrai air, c'est pas l'air de Paris. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Et là tu penses on m'entend jusqu'où? Je pense je saute, j'atterris normal. Je suis tellement au sommet du règne animal que je te promets que je pense qu'il m'arrive absolument rien. Non mais je te parle vraiment sérieux, je pense je saute, au pire je m'ouvre un truc ou je me casse avec peut-être quelque chose. Tu te fous de la cheville quoi. Mais genre là je saute, je suis en bas, vous attendez 10 secondes, vous m'entendez crier, venez me chercher. Je te jure, genre, au calme. Au calme. Frère, tu te rends compte? Un arbre au-dessus d'un arabe. Un arabe au-dessus d'un arabe. Un arabe au-dessus des arbres. Un arbre. Un arabe au-dessus des arbres. Tu te rends compte de la métaphore? Oh bah. Non mais ça... Non mais les refs c'est un PNJ, c'est un faux cheval. Oh mais ça peut partir en rodéo. C'est ça. Ça peut ouais. Oh putain je suis un homme mort ça. Mais non t'es au sommet du règne animal. Rodéo. Oui. T'es au sommet. Non mais parce que moi je vais le blesser. Tu non moi je vais le blesser, si c'est pas en rodéo moi je vais mal m'y prendre. Il y a un moment je mets une patte pas pour qu'il s'arrête ou quoi, j'ai pas envie de le mettre KO. J'ai jamais KO un cheval. Non pour de vrai j'ai jamais KO un cheval. Bah, un animal ça se contrôle pas, si au bout d'un moment tu dois te défendre pour ta propre survie t'es obligé de l'éteindre. Oui. Ils peuvent voir que sur les côtés, c'est comme les poissons. Les poissons faut les taper sur les côtés. Tac, prochaine, tu vois, il mise. Et les crocodiles, par contre, faut les taper au-dessus du crâne. Il a face en tête. Hein? T'as un problème? Tu en face en tête? Hein? C'est sur ta chaîne, je peux rien dire, mais là. Le coup? Le coup? Et là, par contre, il a fait un regard. Non, là, il a fait un regard, il va te charger, tu vas pas comprendre. C'est tout?
voilà. Entre lui et l'homme. Voilà. Voilà, passe ton chemin. Passe ton chemin. Okay. C'est ça. Moi je suis sûr il y a une rumeur sur une dame du petit village qui elle vient de ces sorcières là. Bah ça, merci en tout cas. Non, un peu plus d'engouement. C'était un vrai plaisir. J'ai vu que t'avais kiffé tout ce que t'avais fait ce matin, c'était un vrai plaisir. Ouais. En vrai, j'ai tout kiffé sauf le premier truc où il y avait de la merde. Ouais, t'as pas aimé le caca, quoi. Ouais, les cacas, j'aime pas. Je veux une ferme et sans caca, s'il te plaît. Alors, ce sera son âge. Ça, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Pour l'accueil, ouais. Le merci boss. D'être venu voir, découvrir. On a passé une super journée, franchement souriant, agréable, on a rigolé. On dirait que c'est que pour les caméras, mais en vrai, on a vraiment passé un bon moment ensemble, c'était naturel. C'est pas ce que tu m'as dit dans le van tout à l'heure. Non, il n'a pas d'inspi, il n'a pas d'inspi, il n'a pas d'inspi. Mais voilà, bah, merci beaucoup. Et voilà, je sais pas comment finir. Et là, on va au Grec si tu veux venir. Ouais, tu veux venir au Grec? Mais j'ai mon rendez-vous à 14h là, donc je vais être. Il a plus envie de passer une minute de plus avec toi. Mais tu manges des kebabs maintenant. Pourquoi je mangerai pas? Non, je sais pas, peut-être que. Merci à vous, merci d'être venu, d'avoir pris le temps de découvrir. En se marrant, mais. En essayant de comprendre. Non, un peu ralenti pendant la traite. Uniquement pendant la traite. C'est vrai? Bah ouais, parce que moi je suis habitué à mon rythme. Et... Ouais, toi, mais après, c'est pas grave, tu vois, les vaches elles sont cool, elles s'adaptent à tout. Je pensais vraiment que ça allait chier plus que ça, et non, finalement, que dalle. Ah, mais t'es moi. Presque déçu? Bah, moi j'étais content parce que vous m'avez annoncé de la chasse dans la gueule. Ouais, bah ouais, mais puis non, finalement. Non, mais ouais, si j'ai accepté de vous recevoir, ça me plaît du coup. On va dire cool. Si ça peut expliquer aux consommateurs du produit final, on l'a dit, hein, entre autres où va mon lait, pour faire des yaourts, savoir des yaourts. Si le consommateur il peut comprendre tout ce qu'il y a derrière son yaourt savoir ou derrière sa danette, tu vois. J'estime que j'aurais fait ma partie du boulot d'expliquer quoi. C'est à toi ça. Merci à vous les gars. Merci. On dirait qu'on n'arrive pas à se quitter. Oh, c'était cool hein, merci. Et toi, moi. On dirait que je dis su. Ouais, je suis un peu peur de ouf.